Ayy, can't keep my dick in my pants. Ayy, my bitch don't love me no more. Ayy, she kicked me out of life, bro. Salut les amis, c'est DarkZorkDZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo tutoriel pour vous montrer une application Happy Mode. Je sais que vous connaissez déjà, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas. Je vais vous montrer dans cette vidéo que on peut hacker, craquer n'importe quel jeu. Vous aurez tout de débloqué dans n'importe quel jeu mobile. Mais aussi, on va voir les applications telles que Deezer ou autres, des applications, c'est-à-dire payantes, que vous pouvez avoir gratuitement. On entre dans l'application. Et je vous promets une chose, c'est que vous ne serez pas du contenu de cette vidéo ou même de cette application. Le seul point que je tiens à souligner, c'est que... Par exemple, il y a certains jeux comme Cats, ce jeu-là, qui, par exemple, comme des jeux tels que Cats, Crash Arena, est un jeu que vous devez, enfin, c'est jouable en ligne, c'est-à-dire avec une connexion internet. Du coup, le seul problème qu'il y a dans ce genre de jeu-là, c'est que, par exemple, j'ai ici la version 2.17.3. Et il y a une nouvelle version qui est sortie récemment sur Play Store, qui est supérieure à celle-là, c'est-à-dire que celle-là, elle est ancienne. Et le seul problème, c'est qu'il y a certains jeux comme celui-là, qui marche avec l'Internet, que vous jouez en ligne, les versions qui sont hackées, qui sont déjà patchées, ne sont pas les mêmes que celles qui sont sorties, vous avez compris le truc, quoi. Et du coup, si je télécharge maintenant cette application, enfin ce jeu-là, Cats, je vais avoir un message qui est écrit que je dois faire une mise à jour de ce jeu. Mais en faisant, en appuyant sur le bouton mettre à jour, ça va m'envoyer sur Play Store. Une fois sur Play Store, ça va pas vous mettre la mise à jour, mais ça va juste vous mettre ouvrir ou désinstaller. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre à jour. Vous comprenez, c'est juste que la version 2.17.3, elle est hackée, elle est piratée. Mais la version, par exemple, disons 2.17.4, ne l'est pas. C'est une nouvelle version, donc elle n'est pas encore hackée. Et c'est ce genre de jeu que, voilà, qui je tiens juste à souligner qu'il y a un petit problème là-dessus. Mais à part ça, tous les jeux que mobile que vous voyez ici sont déjà hackés. Par exemple, j'en choisir un. Je vais choisir Rally Racing 3. Vous pouvez le voir ici, il y a deux catégories. Il y a les modes et l'original. Oups, j'ai appuyé dessus. L'original, c'est-à-dire que c'est comme celle sur Play Store. Elle n'est pas hackée, rien. C'est la version originale. Mais ici sur mode, vous avez directement l'application, enfin le jeu hacké. C'est-à-dire, vous avez le gold en illimité, l'argent en illimité, enfin. Vous allez tout débloquer dans le jeu. Et aussi, par exemple, vous déviez sur les apps, enfin applications, pas les jeux. Et là, il y a Tinder par exemple, ou même Deezer. Qui sont déjà des applications payantes, mais enfin pas abonnement, mais vous pouvez les avoir gratuitement, telles que Babel aussi, ou Spotify, musique, tout ça. Voilà, comme Deezer par exemple. Regardez, il y a le premium et tout. Celle-là, elle est en premium. Donc, vous n'avez qu'à la télécharger, et puis c'est tout. Ça va marcher comme si vous avez pris l'abonnement. Donc les amis, je tiens vraiment à vous montrer cette appli parce que c'est vraiment génial. Que je sais que beaucoup d'entre vous, veulent pas se faire chier tout simplement à jouer à un jeu et bloquer dans le jeu parce qu'il y a des niveaux. Certains jeux, franchement, j'ai joué à pas mal de jeux et certains, il y a des niveaux que vous pouvez pas dépasser, mais de ouf.
qu'on ne peut pas finir le jeu, quoi. Mais grâce à cette appli, vous aurez n'importe quel jeu enfin, gratuitement, surtout, et hacké. C'est-à-dire que vous aurez tout débloqué dedans, comme Last Day on Earth, par exemple, qui est un jeu qui est en ligne, tu joues en ligne, mais cette version-là, la 1.11.6, elle est déjà craquée et c'est compatible. Je veux dire, ils vont pas vous demander une mise à jour parce que c'est la mise à jour qui est disponible actuellement, je pense, sur Play Store en fait. Parce que moi, franchement, depuis que j'ai cette appli, je l'utilise tout le temps et je vais presque pas sur Play Store en vérité. Du coup, j'ai tous les jeux comme Last Day, je l'ai essayé pas mal, j'ai essayé pas mal de jeux et ça marche vraiment, vraiment bien. Du coup, si vous, je sais que ce jeu est très, très connu, où il y a beaucoup de gens qui jouent. Et c'est pour ça que je vous le conseille, c'est un jeu vraiment génial et vous aurez largement, mais largement l'avantage sur les autres joueurs. Parce que j'ai eu un commentaire récemment que quelqu'un m'a dit que voilà, c'est beau d'avoir une application piratée, mais est-ce qu'il y a des avantages là-dessus? Bah oui, comme je lui ai répondu, oui, sur certains jeux, ça dépend en fait. Comme ce jeu Last Day, vous aurez largement l'avantage sur les autres joueurs. Vous aurez tout de débloqué, alors que les autres non. Et du coup, vraiment, je vous conseille cette application. Parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas cette appli, malgré qu'il forcément il y en a qui ont téléchargé des jeux via Google. Ils ont tapé par exemple télécharger Last Day, hacker, tout ça. Il y a sûrement le lien, ils l'ont téléchargé direct via Google. Mais l'application est disponible et c'est vraiment facile en fait. J'appuie juste sur télécharger, je confirme et voilà, c'est en cours. Donc les amis, franchement, j'aime beaucoup cette appli, elle est vraiment bien. Parce que regardez, comme la dernière mise à jour là, elle a 4.1 étoiles, alors que l'ancienne, elle a 3,9. Et il y a 114 téléchargements, et la dernière en bas là, elle a 338. Donc elle est, voilà, cette version est nouvelle. Pas beaucoup de gens l'utilisent et mal et même ce ça enfin il y a beaucoup de gens qui l'utilisent mais ça dépasse pas, je veux dire, les 300, enfin voilà, les 500 à peu près. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, on se quitte et n'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime et de vous abonner. Peace. D'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à lâcher un gros pouce bleu.